Magma 2019, les nouveautés 2020 sur le stand de Indian, le plus vieux constructeur américain, 1901, et oui, ça se joue à pas grand-chose avec le rival de toujours. Et on commence naturellement par l'un des plus anciens modèles d'Indian, la Scout, et puis une Scout que l'on retrouve naturellement dans de nouveaux coloris cette année. Mais s'il faut retenir une chose sur les nouveautés 2020, il y en a deux. C'est la FTR 1200 Rally, évolution de la FTR 1200 que l'on a essayé, dont on vous a proposé l'essai en vidéo l'année dernière. Une machine, un roadster, voire scrambler avec la version Rally impressionnante. Et puis cette année, c'est le bagger ultime pour Indian avec cette Challenger. Une Challenger d'ailleurs qui est déclinée en trois versions, puisqu'on a également une version Dark Horse, donc cheval noir, et une version limitée. Il faut reconnaître qu'avec Indian, hormis le fait qu'on retrouve ce bagger, on retrouve ce qui fait l'une des forces d'Indian, c'est-à-dire tout ce qui est électronique avec écran ici. Et puis derrière, je vous emmène tout de suite suivre pour la FTR 1200. Au passage, on note les Roadmaster avec des coloris, et notamment ce coloris rubis. Et puis naturellement la Chieftain qui reste un des modèles phares chez Indian. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on avait traversé la vallée de la mort aux États-Unis. Vous pouviez suivre notre road trip dans l'ouest américain il y a quelques années. Donc c'est encore un road trip que je vous invite à revivre avec nous. Et puis on passe sur ce stand où on a quelques modèles exceptionnels. Des modèles exceptionnels parce qu'il y a la fameuse Workhorse Speed Shop qui a battu un record de vitesse sur le lac de Bonneville. Comme la plupart des constructeurs, on retrouve désormais de plus en plus d'accessoires par rapport aux différents modèles. Des accessoires qui permettent en fait d'avoir des supports sur le côté particulièrement bien intégré à la machine, mais également sur le réservoir, et avec une finition et le logo sur les moindres détails signé Indian. La FTR était vraiment la nouveauté 2019, et une nouveauté qui s'améliore entre guillemets, puisque en fait on peut en changer l'affichage du réservoir avec ses covers ici. Alors on peut se dire c'est un peu compliqué, il faut tout démonter. Non, en un petit quart d'heure avec quelques vis, on peut changer les covers via entre guillemets 5 artistes américains qui permettent en fait de complètement redessiner le réservoir de sa FTR 1200. Et attention, cette possibilité n'est pour l'instant réservée qu'à la FTR 1200. Et si vous n'aviez pas encore vu notre essai de la FTR 1200, je vous invite également à la retrouver sur le Repère des Motards, sur la chaîne YouTube. On s'était vraiment beaucoup amusé avec cette machine. Et que ce soit en pneus route, comme ici, ou ce que l'on peut retrouver derrière avec la FTR 1200 Rally, avec les pneus Scorpion Trail. Deux nouveautés majeures donc chez Indian pour 2020. Et surtout, on vous invite à retrouver la marque parce que on va essayer ces nouveautés naturellement dans les semaines à venir, donc des essais qui seront en vidéo sur le Repère. Mais on vous invite également à retrouver la marque à travers ces différents rassemblements en France d'ici la fin et le milieu surtout de l'année, sans oublier les roadshows, parce que rien ne vaut un vrai essai, et les essais des FTR 1200 et des Challenger seront également possibles en concession d'ici l'été. Et voilà, notre série continue avec un autre stand. Il y a plein de nouveautés à ECMA cette année. On a publié plus d'une centaine d'articles sur le site. Donc à tout de suite sur le stand suivant.